Mais la troisième fenêtre est ouverte. C'est trop, trop bien. On est vraiment trop contents. Puis voilà, là, il n'y a pas un max de soleil non plus, mais je pense que vous voyez grave la différence. Avant, on avait de la lumière uniquement avec la cour ici intérieure. Et puis maintenant, tout est beaucoup plus lumineux. Ça change tout. Je suis trop contente cette semaine, on a reçu une scie sabre que j'ai commandée, ça faisait longtemps que je l'attendais. En fait, on a besoin de la scie sabre parce que au niveau de la terrasse, on a des poutres qui sont complètement ancrées dans le mur en briques, donc je voulais absolument les scier pour pas fragiliser le mur. Donc c'est hyper pratique même pour mes do it yourself et tout, enfin c'est une machine qu'on devrait avoir tout le temps. C'est les mêmes batteries pour chacune des machines. Donc du coup, on peut s'en servir pour la scie sable, pour ma scie sauteuse. Il n'y a pas besoin d'avoir des batteries supplémentaires. C'est la même pour toutes les machines. Je vous montre un petit peu les poutres dont je vous parle. C'est celles-ci. En fait, celles-ci sont en une seule pièce, alors que toutes les autres que l'on a fait tomber, elles étaient coupées en deux. Donc du coup, c'est pour ça qu'avec la scie sabre, je vais couper ici à ras, au milieu, et je vais les faire tomber. Bon, j'avais plus de batterie sur ma scie sabre, du coup je suis en train de la charger. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va vite et il y a les petits curseurs comme ça vert pour savoir où ça en est. Donc là, c'est bientôt prêt, mais en attendant, du coup, j'ai voulu tester. On avait acheté ça il y a au moins 6 mois parce qu'on vous l'avait conseillé pour les poutres. Vous savez, les poutres de la cave, et ça marche hyper bien. En fait, on voudrait vraiment louer une sableuse pour faire toute la surface parce que clairement, il y a du taf. Mais avec le confinement, on galère à trouver une sableuse. Du coup, là, je voulais juste tester ça. C'est... je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est des tiges en fer torsadées, comme ça. Et regardez le résultat. Il est ouf. Là, je viens juste de faire cette poutre-là. Elle était comme ça, vous imaginez. C'est dingue. Bon, par contre, ça fait les bras de ouf. Parce que comme c'est en hauteur, ben, toute la force... Et sur les bras, enfin bref, ça me tue les bras. Mais regardez comme c'est hyper propre. Là, c'est pareil. Toute la poutre était comme ça. Et maintenant, elle est toute propre. Alors, on en a parlé dans l'épisode 22. On projetait de maçonner ce bout de mur manquant. Je te propose de filmer. Oh mon dieu. Voilà. Attends. Il avait soi-disant plu et on avait soi-disant pas pu le faire. Bon, apparemment c'était pour d'autres raisons, mais bon. On comprend rien à ce que tu dis. Non. Non, on n'avait pas. Dans le dernier épisode, on s'était dit qu'on allait faire ça, mais on l'a pas fait. Donc là, aujourd'hui, on va le faire. Donc l'objectif, maçonner ce bout de mur manquant. Ça fait à peu près 40 cm de large. Donc on va claquer un parpaing au milieu. Et sur les bords du mur, on mettra des briques pour que ça se voit pas. Donc, on fait la cache-misère. On remplit de parpaing tout moche et on met du beau autour. D'accord ? La stratégie du moindre effort. Donc là, on a un truc, c'est que on est censé faire un mélange, faire de la colle, quoi, tu vois ? De la colle, voilà quoi, on va les coller en fait. Ouais. Donc, on peut appeler ça de la colle, même si en vrai, on peut aussi appeler ça... Du mortier. Comment on fait du mortier? Trois doses de sable, une dose de ciment, une demi-dose d'eau. Viens voir.
Ah non, je l'ai mis dans le souffle. Voilà. On a fait un premier mélange. Mais là, il y a des cailloux dedans, mais on va juste faire la base, le lit. On appelle ça le lit, c'est le socle du parpaing. Donc on va faire ça en premier. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va devoir travailler en hauteur. Et en hauteur, je suis pas à l'aise. Et on n'a pas d'échafaudage. On n'a pas d'échafaudage, donc on va faire ça. Bon, on sait déjà. Voilà. Déchaînez-vous dans les commentaires. C'est dangereux, tout ça. Allez-y, tout de suite. Comme ça, moi, c'est fait. Je vous laisse quelques secondes pour mettre vos petits commentaires. C'est dangereux en hauteur. Vous n'êtes pas sécurisé. Achetez un harnais. Ça vous sauvera la vie. Voilà. Le portable, il sonne. Donc, on va sonner en hauteur. On a peur. Voilà. Tu as peur. Je vais y aller. D'accord ? J'y vais en premier. Ouais. Et puis, on y va. Hein. C'est parti. C'est parti. Hein. C'est dur. Hein. Mais fatigué. Hein. Non. Si c'est un menteur, il s'est couché à 3h du matin encore. Ce matin, il n'a pas assumé. Il n'assume pas le petit. Ça va? Ça va, Miguel? Qu'est-ce que tu fais? Tu poses ton premier parpaing? Ouais. Attrape? Ouais. On mange quoi ce midi? Un kebab. Un gur. Tu t'es pas guré? Là, hey, je me suis pas guré de repas. C'est bien ça que t'as commandé? Depuis ce matin, on se gure. Allez, lance. Allez, attrape. Oh! Voilà, joli et toi. Joletto. Non, 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 non. On risque pas les kebabs. On mange en hauteur? Bah ouais. En plein soleil, on s'apprête à cimenter notre petit mur de parpaing. Et on a notre belle toiture. Tes souhaits. Tes amours. Tes emmerdes. Bon, j'ai posé le premier. Faites pas attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je les remplirai pas, mais là j'ai mis pas de la merde. Et là, donc j'ai rempli le premier joint ici de mortier. J'ai fait un lit de mortier ici que je vais continuer. Bon voilà, c'est un peu l'arrache, mais je suis pas trop dedans quoi. Allez. Je la veux dans ma main, pile poil. Allez, si tu l'attrapes, on se marie l'année prochaine. En plein dedans. Si tu l'attrapes celle-là, on fabrique un bébé. On fabrique. L'année prochaine. Bon bah c'est pas grave, on va attendre un peu. Adopte un chien à la fin de l'année. Ok. Attends, il te reste encore un. Une chance de faire parler les astres. On finit le chantier avant décembre. On finit le chantier. D'accord. Avant janvier, on va dire. Faire bah voilà. Que des bonnes nouvelles. Il y a des beaux projets en cours. Je viens d'appeler mon père parce qu'Emilien il me dit ben et dans les trous on met quoi et tout
On va perdre énormément de ciment si on remplit tous les trous, donc j'appelle mon père. Et il me dit, ben non, en fait, vos parpaings, ils sont à l'envers. En fait, les trous, ça se met en bas. Voilà quoi, encore une connerie de plus. Du coup, là, tu repars bien. Je vais remettre à l'endroit maintenant. Oh oui, non, mais c'est con. C'est... Moi, on le saura toute notre vie maintenant. Voilà. Ouais, on va le savoir toute notre vie, mais en même temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va pas. On recommence pas. On rechange pas de côté, on recommence pas tout. J'en ai ras le bol. Donc, on va faire comme ça. On va couler des trucs dedans si on a des trucs à couler dedans. Et dans l'épisode précédent, tu t'en avais ras-le-bol pour ton IPN. Là, t'en as ras-le-bol pour des parpaings. Ouais, ce serait bien qu'on avance et qu'on fasse les choses correctement un jour quand même. Alors, tu prends un parpaing, tu le mets du bon côté. Ça, au-dessus. Il est trop haut, en dessous. Tu viens là. Ah mais il faut que ça tienne. Hein. Oh. Allez hop. Oh mais con, on est con franchement. Alors les trous ils servent justement à pouvoir mettre de niveau plus facilement. Tu tapes et le mortier remonte à l'intérieur. Il répète tout ce que mon père dit. J'adore. C'est vraiment de bons conseils, Emilien. C'est pas possible. Montre pas ça. J'avais pas de maillé. Maillé, maillé. Oh, maillé, maillé. Bon, ben voilà, on rattrape les erreurs. On n'a pas été super productif aujourd'hui. Hein? Ouais, on a fait une rangée. Une rangée en une après-midi. Et on a fait des conneries. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Faut accepter. Faut accepter les erreurs. Et puis, ouais, il fait trop chaud. Trop, trop chaud. Et puis. Pour les remercier. Pour les. Pour la dernière vidéo? Ouais. Ouais, c'est vrai que vous avez été, mais. Je crois qu'on a battu le record en nombre de likes, nombre de vues en l'espace d'une semaine. Bah, c'est trop bien. Ouais, carrément. Voilà, donc ça fait plaisir. Je vais continuer à faire le con puisque ça a l'air de vous amuser. Et continue à faire des erreurs aussi parce qu'apparemment. Je fais pas exprès. Il fait pas exprès, c'est ça le pire. Bon, bah après, t'as mis les parpaings à l'endroit, c'est bien. Ouais. C'est mieux. Voilà. C'est à peu près bien. Arrête, non, pote! Je vais te tromper! Quand on se fait, c'est pas marrant, hein! Arrête! Oh! Et c'est quoi derrière toi là? Bah, il y a un truc qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Ça, c'est un poteau de 35. Un poteau de 35. Ouais, parce qu'en fait, notre baie vitrée va faire 5 mètres de long sur 3,70 mètres de haut. Et les maçons, le chemachon et le machon, ils ont mis ça pour pouvoir poser la fenêtre. Alors, je sais pas, il y a expliqué, je pense qu'on va la mettre ici. Je crois qu'il va, venir la mettre contre, là. Ah bon? Je pensais que c'était en intérieur. Non, c'est bon, bref. Ouais, il a mis un poteau pour pouvoir caler la baie vitrée de chaque côté. Ici, il y avait déjà un bout de mur. Et comme elle fait 5 mètres et qu'elle est énorme. Énorme. Et ben voilà, ils ont fait ça avant de partir. Une fois qu'ils avaient fini nos fenêtres. Qui seront posées lundi. D'ailleurs, oui. On vient d'avoir un coup de fil il y a une heure. Le maçon a dit... On vient déposer les appuis de fenêtres parce que le menuisier pose les fenêtres lundi. Ça va être trop bien. Yeah. Trop, trop bien. Mais en attendant, franchement, regardez l'état de l'usine. Moi, franchement, j'en ai marre. Là, c'est une catastrophe. C'est
Il y a des gravats partout, quoi. Donc le chauffagiste, il va reprendre, normalement. Chauffagiste, il vient lundi. Le cuisiniste, il vient lundi. Le pompiste, il vient lundi. Ah, le menuisier, il vient lundi aussi poser les fenêtres. Et alors, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait une ligne de vapeur. Et on l'a posée avec de l'enduit de jointement. Et à l'envers. Donc voilà. Voilà. C'est ça de dormir 5 heures par nuit. C'est comme si on avait régressé, quoi. On est reparti en arrière. Nous, on est coincés parce que le bâtiment n'est pas hors d'eau, hors d'air. Donc on peut pas commencer le raillage, on peut pas commencer le plafond, on peut pas commencer l'isolation. Le chauffagiste vient la semaine prochaine. Là, on n'a plus de démolition à faire. Donc on fait des bricoles comme ça, mais on fait tout à l'envers. Donc là, il faut se reprendre. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est pareil. On y va, mais. Il n'y a pas les fenêtres, il n'y a pas les portes. En fait, tout est un peu ouvert, quoi. Du coup, la prochaine étape, c'est qu'on va devoir louer une sableuse. Non seulement pour la cave, il faut tout sabler, et pour ces murs-là. En fait, on aimerait bien sabler les murs, ici, les murs là, parce que ça, ce sera de la brique apparente. Donc. Voilà, on va tout sabler, même tout le pignon, hein, je sais pas, ouais, on va tout mettre au propre. Voilà, tout ce mur-là, jusqu'en haut. On fera peut-être la façade du voisin pour le faire kiffer. Et puis, tout là. Donc du coup, dans cette pièce-ci, on ne peut pas commencer le raillage non plus parce qu'on attend les fenêtres, ici, pour que ce soit un peu isolé, parce que là, tout est un peu à nu. Et puis, moi, en fait, ici, ce sera une chambre parentale. Donc chambre, ici, baignoire. En îlot, il y aura une grande porte, une double porte en bois en fait qui communiquera avec la chambre. Et ici, en fait, il y a deux conduits de cheminée. Et moi, je voulais mettre une cheminée. Et Emilien n'en veut pas. Donc mettez un petit commentaire et dites à Emilien que ce serait une bonne idée dans une chambre parentale d'avoir une petite cheminée. Non, tu voulais mettre un poêle à bois. Bah, une cheminée, un poêle à bois, peu importe. Mais je voudrais avoir. Non ? T'as pas envie, toi ? Regarde, tout est fait. On met un petit poêle. On se met à poêle. Emilien. Vas-y, Emilien, allez! On y va, c'est le show, Emilien, on est parti. Tu fais baraque, là? T'aurais pas monté un mur de parpaing, le père? Ah, si. Avec la cocotte. T'as zoomé ou pas? Mais oui. Quelle machine! Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Oh. Je sais pas si vous entendez, mais il y a la Zumba sur notre mezzanine. Il y a un combat de pigeons, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, il y a un pigeon handicapé qui ne sait pas voler. Et il y a ses potes qui sont là. Ils essayent de l'aider, mais. Oh là là. Insupportable. Ils ont encore chié partout. Hey! Wow! Il s'est pris le filet de pigeon en fait. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu? Mais il s'est pas volé. Bah, il a volé, mais il s'est pris le filet de pigeon en pleine face, quoi. Okay. Oui? Il s'est pas volé, en fait. Il a peur ou il est blessé, je sais pas. Tu vois? C'est un canard, en fait, le truc. Bah voilà. Monsieur ne s'est pas volé. Il chie partout dans notre usine et on est encore gentil avec lui. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de lui donner un petit peu d'eau. Il va rester ici bien au chaud. Du coup, en parlant de pigeons, Emilien a commandé The Filet de pigeon. On va vraiment pouvoir protéger l'usine et on arrête les conneries, le caca et tout le bazar. Je vais m'occuper de ça maintenant. En route, la troupe.
Encore de la maçonnerie, toujours de la maçonnerie. Voilà, j'ai rebouché ce trou. Je suis encore plutôt content de comment j'ai fait ça. Je vais essayer ce conduit qui ne sert plus à rien. Et je reboucherai ensuite ce trou-là. Je retirerai ici tout le contour de la verrière qu'il y avait avant. C'est parti! Je vous montre un peu ici. C'est un travail titanesque. En fait, on est en train de ramasser les gravats des fenêtres. Donc il y avait un gros talas, un gros talas, un gros talas. Enfin bref, c'est un travail épuisant. Donc en timelapse, vous avez l'impression que ça va hyper vite, mais là, c'est très très compliqué. Et puis en fait, on met les gravats là-bas, parce qu'en fait ici, il y aura encore une dalle béton. Enfin, on va devoir couler une dalle béton et on va mettre des gravats au fond de la dalle avec du grillage, je sais pas comment ça s'appelle réellement, mais voilà, donc il nous faut beaucoup de gravats, de pierres, de briques et tout ça. Donc on les stocke ici en attendant. Et puis on vide cette pièce-là parce que le chauffagiste revient lundi pour continuer les tuyaux pour le chauffage au sol et tout ça. Voilà, j'ai fini, tu peux y aller. Je veux que tes galères deviennent les miennes. C'est exactement ça. Allez, on se remet au boulot. C'est parti. Go. Bon voilà, tous les gravats sont évacués, enfin sont déplacés, et c'est la première fois que les trois trous sont ouverts avec les fenêtres, donc on va descendre voir un peu ce que ça donne niveau lumière. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh man, look wow. At this, it's incredible. Come on with me. Yes, we do it for the sun. Yes, we want this building. We decided to do this because we want the light becoming in the cave, you know? Yes. Come on with me. Come on with us. En fait, on voudrait sabler toute la cave plus quelques murs là-haut et on s'est renseigné pour louer la machine, sauf que il y a un petit souci, ben forcément dû au confinement. En fait, il ne prête plus. Bouge pas. Je vais disparaître, d'accord? Bouge pas. 1, 2, 3, 1, 2. Ah, t'es revenu. Tu dis quoi? Je disais donc qu'on s'était renseigné pour louer une sableuse chez Kiloutou ou autre petit magasin de location. Et en fait, avec le coronavirus, ils ne prêtent plus les masques. Et c'est 400 euros hors taxe, le masque. Le casque ou le masque, je ne sais pas comment. Enfin bref, donc 400 euros hors taxe pour 3 jours de sableuse, ça fait un peu cher. Sans compter la machine, bien sûr, qui est à 280 euros la journée. Donc, on va attendre un petit peu. Hein ? Quoi ? L'épaisseur de la dalle. C'était ouf, ça. Ah ouais. T'as vu la taille de la dalle qu'il y avait au-dessus, là ? Yeah, it's me. Well, I see. You know, a long day. It was very, very painful, yes. When I cut this, come on with me, we will. Avec l'accent américain, tu sais. Oh, c'est pas possible. C'est vrai que ça aurait été génial, une piscine ici. Sur le téléphone, ça rend de ouf. Hein? Sur le téléphone, ça rend de ouf. Bah oui. Non, mais une piscine, ici. Avec la lumière qui tombe dans l'eau. Ah ouais. Ah ouais, vas-y. Et genre, on creuse une piscine juste là, tac, dans les poteaux. Non, mais tu vois pas les tonnes de gravats à enlever. Et là-haut, tu vois l'eau en fait. Tu sais, de là-haut du verre, tu vois de l'eau. C'est énorme. Si on arrive à faire ça, on est des dieux. Donc ici, la dalle, on l'a vu, je crois que ça fait au moins 15 cm d'épaisseur, toutes ces dalles. Mais je sais pas en quoi c'est. Ça a l'air d'être des dalles béton, dalles.
sais pas. Si quelqu'un s'y connaît, vous nous direz en commentaire. Mais... Et ici, là-bas, on vous l'avait montré, il y a une petite pièce. On ne sait pas du tout quoi en faire. Mais si on fait une piscine, parce que notre terrasse, elle est juste là au-dessus. Si on fait une piscine, peut-être qu'on ramènera ici les tuyaux, le moteur de la piscine et tout ça. Bon, à voir. Ça, c'est encore un... des plans sur la comète, comme on dit. Bon, on n'a pas fini. On évacue la terrasse. Allez. Voilà. Pièce finie. On s'attaque à la terrasse. C'est parti. On attaque la terrasse. Allez, ouais. Regardez cette... Voilà, le repos. Cette belle terrasse. Ça va être tranquille. Et en tout cas, Emilien, ton histoire de toboggan, là, les briques, elles se sont bien rangées, je trouve. T'as vu comment elles sont bien rangées? Elles n'ont qu'à venir avec le... C'était une idée de génie. Le transpal, et hop. Ouais, il manque plus que le transpal. Même la palette, on la voit plus, en fait. Bon, on peut se le dire, on abandonne, là. On n'a plus envie. Là, une journée de gravat, ça va suffire. Mais là, on n'a plus envie, on a envie de se lancer dans une autre tâche. On va finir ce petit mur de parpaing que l'on a si bien commencé. Hein ? Encore merci d'être aussi nombreux par ici. Les vidéos nous prennent énormément de temps et ça nous motive vraiment. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à en refaire.